Bon matin Charlotte. ce matin, les enfants avaient une activité de Noël, puis nous, on est sur la trotte un petit peu. Faut qu'on aille faire des commissions, faut qu'on aille acheter de la nourriture pour les chats, faut qu'on aille au Michael's, puis après ça, retour à la maison. Puis j'ai commandé mon épicerie pour genre midi, 1h, je pense. Fait faut qu'on aille chercher ça plus tard, tantôt. Fait qu'on va faire ça. Mais là, Fred est arrêté chez Desjardins pour aller déposer un chèque. Puis il s'est rendu compte qu'il portait encore les bas de Noël d'hier. Il s'est rendu compte qu'il avait mis ça un matin. Fait que là, il est gêné. Fait que là, j'ai dit, tu vas pas croiser personne. Oh! Finalement, il y avait du monde. Ouais, ouais, j'ai dit, inquiète-toi pas, il y a jamais personne à cette caisse-là. Mais c'est ça, là, on vient d'avoir du monde sortir, mais je suis sûre qu'ils ont vraiment pas remarqué ces bas, là. Fait que là, nous, on va le remarquer. Mais qu'ils sortent, je vais le filmer. Fait qu'il va être super gêné. Puis ça va être drôle. La voiture est sale, là, mais... Faudrait qu'il lève son pantalon pour qu'on voit. Et puis, t'as-tu croisé des gens? Oui. Oups. Je suis sûre qu'ils n'ont pas remarqué tes pieds. Je faisais des bruits pour distraire. Je faisais... C'est pour être sûr qu'ils te voient bien, là. Ouais, mais pour qu'ils me regardent en haut. Ouais. Pas sûr, pas sûr. Fred est en train de monter nos assiettes pour le dîner. On a toute la recette. Poitrine de poulet au beurre de pomme. Si jamais ça vous intéresse de juste voir les recettes, là, ils sont publics sur leur site internet. Fait que vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin, là, puis à la préparation aussi. Donc voilà, c'est en train de cuire. Sinon, ici, j'ai mes patates que je suis en train de faire bouillir pour les beignes aux patates par le mélange aujourd'hui. Et ici, j'ai coupé tous mes légumes pour faire une sauce à spag. Fait que là, on attend après le poulet qu'il soit prêt. Puis après le dîner, je vais partir la sauce à spag. Puis les filles, hier, ont fait des assiettes de Noël qui sont en train de cuire. Qu'on puisse manger avec. Bon, alors mes patates sont prêtes. La sauce à spag est partie. Elle mijote. On va commencer la recette. Fait qu'on a besoin d'un outil comme ça pour faire les patates au riz. On a été longtemps à faire les patates directement avec un tamis comme ça. On passait nos patates au tamis, c'était super long. Mais là, on s'est grillé de ce fameux outil, puis ça va super bien. Fait que je vous remets la recette ici. C'est la même à toutes les années, mais je vous la remets. Pour ceux que ça intéresse. Nous, on fait une recette double. Fait qu'on double toutes les quantités. Charlotte, tu le laisses là, s'il te plaît. Fait que vous avez besoin du lait, de la peau d'apport, des œufs, du beurre, de la farine blanche, du sucre, du sel, de la vanille. Puis je crois que c'est tout. J'étudie du sel. En tout cas, du sel. Et les patates au riz, c'est vrai. Fait qu'on va faire ça, ma cocotte. Assieds-toi pour pas tomber. Fait que le mélange est prêt à aller au frigo. C'est un huge bowl, là. C'est le huge du IKEA. Fait que on s'en va mettre ça au frigo pour au moins 2 heures. On sait pas encore si on va être d'attaque ce soir pour faire ça ou si on garde ça pour demain. À suivre. Papa. Charlotte, c'est bon? Papa, maman, peux-tu me mettre en arrière de mon oreille? Merci. T'es-tu contente de nous aider? Oui.
à faire notre tradition de Noël? Oui, des beignes. La plus heureuse est là. La plus heureuse, moi? Ouais. Non, c'est moi la plus heureuse. Ouais, toi aussi, t'es la plus heureuse. On fait notre premier Noël avec nos chiens. Oui, c'est vrai. On va faire notre premier Noël avec nos chiens. On va être en grand, là. 2020, on va être en grand. On a brisé l'année passée notre gabarit, fait que là, on se débrouille avec les moyens du bord. Notre emporte-pièce. Oui, c'est ça. Notre emporte-pièce, désolé à tous les amis qui ne sont pas québécois et qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Puis là, même les gens québécois vont dire non, on dit pas ça, nous autres. Non, pas ici. Oui, Alexandre nous observe. Alexandre ah oui, il y a aussi Alexandra. Oui. Donc là, ben, on a, ça c'est notre plan de travail quand les beignes sont prêts à être chauffés. On les met là. Puis ensuite de ça, ben, on les met dans la... J'étais en train de tester un beigne dans l'huile là, pour voir si le beigne est assez... Ben, l'huile est assez chaude. Ça a des petits beignes cette année. C'est un gabarit différent. Mais sûrement que ça va être... Un emporte-pièce différent. Donc ensuite, on va les faire tomber là pour les on va les faire tomber dans le papier essuie-tout ici pour enlever le surplus d'huile. Une fois qu'ils vont être un peu refroidis, on fait chauffer un peu de sirop d'érable ici. Puis on va entourer le bain, là, on va le submerger dans le sirop d'érable. Puis ensuite, je vais le laisser sécher ici. Et quand ça va être terminé, bien, quand, cette feuille-là, quand elle va être pleine, on va la déposer ailleurs, puis on va la changer pour un autre. Et on a notre extincteur qui est prêt au cas où on aurait un feu de cuisine. Ça va être le tour pour demain. J'aurais aimé ça les compter. Mais je sais pas combien il y en a. Pour qu'on range ça là. Il nous en reste au moins la même quantité à faire. Fait qu'on a compté les beignes, on les a séparés. On a 190 beignes, puis on en mange un peu là. On en a mangé au total une vingtaine, je dirais. Non. Ben moi j'en ai mangé... Un à quatre à peu près là. Une ah ben moi je l'ai mangé genre 5. J'en ai mangé 2. C'est ça. J'en ai mangé 2. Donc on va en manger une vingtaine. J'en ai mangé 1 et j'en ai mangé 1. Puis il nous reste encore une autre moitié de pâte. Sur ce, on vous dit good night. See you tomorrow. Bonne nuit. Bye. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.